Madame, Monsieur, bonsoir. VOA Creole, content d'entrer la CAO pour présenter un programme dans la langue créole haïtien. Et rendez-vous info, passé sauté lundi pour arriver vendredi. Et jeudi, c'est dernier sauté nous. Moi, c'est Jacqueline Belizer avec un grand point cap dominé actualité. Actualité dans la région Moyen-Orient, bataille féroce dans Rafah, dans un moment de division, a persisté entre Israël et États-Unis sur une opération État hébreu dans Rafah. Procès historique, ancien président Donald Trump qui en bas accusation d'escalité acheté silence vedette porno Stormy Daniels, oui, procès a continué dans New York avec déposition Michael Cohen, ancien avocat M. Trump. Et puis, dans un rencontre dans Nairobi, dans le pays Kenya, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres félicité président PIA William Ruto pour leadership li accepté jouer dans tête mission multinationale soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça que avec l'autre accord, nous allons développer pour dans un petit moment. Nous avons commencé avec l'actualité internationale là. Côté région Moyen-Orient, toujours abdominé. Actualité A, c'est une actualité qui a mené nous directement dans les Nations Unies. We shall now begin the voting process. One. Oui, Assemblée générale Nations Unies li pran yon vote symbolique côté que l'adopté à 143 voix pour 9 contre et tant que nous capable là 25 abstentions résolution qui baille l'autre droit et privilège pour État palestinien. On dit que vote ça, dans vote ça, Nations Unies a adopté plusieurs autres modalités, tant coup, autorisation pour État palestinien capable de participer dans la session Nations Unies à partir de 79e session. Il y a plusieurs réactions qui déjà sorti, notamment bon côté Israël, qui dit que vote ça, c'est un vote qui récompense ça les violences. Et puis, il y a tout Mahmoud Abbas qui dit que c'est un premier pas qui fait dans la bonne direction. Et puis, dans le même sujet, il y a un soldat israélien qui boucanté coup de zam, coup de mortier dans Rafah, pendant que question Rafah divisé, continue à diviser Israël avec les États-Unis et Nations Unies. Tout Jean-Robert Philippe, il y a un détail. Affrontement violent a déroulé entre soldats israéliens avec militants palestiniens à Massio dans zone ville Rafah dans sud Gaza, ça qui force plus passer 110 000 monde courir à la partie nord d'après Nations Unies. Attaque ça a déroulé après premier ministre Benjamin Netanyahu semblait repousser jeudi 9 mai décision président Biden prend pour lui camper sous livraison quelques armes si État hébreu continue à attaquer ville Rafah. Leader israélien déclaré nous n'en avait 76 ans indépendance nous. Nous t'ai représenté un petit poignet parmi un pilote. Nous t'ai en bas aux âmes. Mais à campir courage, héroïsme avec unité, nous t'ai remporté la victoire. Et je dis à nous plus fort toujours. You know, we often had our agreements, but we've had our disagreements. We've been able to overcome them. I hope we can overcome them now. Dans une interview avec Dr. Phil Primetime, premier ministre Benjamin Netanyahu exprimé espoir, lui-même avec président Joe Biden. Ça n'a pas empêché que nous continuions à faire tout ce que nous sommes capables. Il y a un petit problème technique avec le reportage Jean-Robert sur Grand Point Cap Dominé, actualité internationale, là, surtout et dans la région Moyen-Orient. Et toujours gagner une division entre Washington avec quelques puissances occidentales, notamment avec toute organisation mondiale et organisation Nations Unies. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe dans le reportage là. Elle parie pour le camper pour contre lui dans la bataille là, même si lui reconnaît pays il gagne l'autre supporter. We actually think that a Rafah operation would weaken Israel's position both in these talks and writ large. Porte-parole département d'État Matthew Miller déclaré États-Unis croit une grosse opération militaire dans ville Rafah affaiblit position Israël dans chita parler l'affaire sous otage avec militants Hamas palestiniens. Administration américaine a continué travailler avec Israël pour amender cessez-le-feu Hamas proposé. We'll probably have to have some kind of civilian government. Civilian administration by Gazans who are not committed to our destruction. Premier ministre Netanyahu pa ekate possibilité pour gagner un gouvernement civil dans territoire Gaza mais qui pas prend engagement pour détruire Israël. Monsieur Netanyahu cité assistance pays tant coup Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite avec l'autre pays dit quoi qui voulait
et stabilité ak la paix dans zone nan. Soldats israéliens yo fè konnen pou kounye la y ap mené une série d'opérations limitées nan Rafah pour touye militants Hamas et puis détruire infrastructures Hamas utilisées pour diriger territoire. Militaires yo mandé civils yo pour chercher refuge dans une zone humanitaire élargie qui située à 20 km avec zone hostilité yo. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Et par rapport avec la guerre Israël-Hamas, la guerre mouvement et manifestation étudiant qu'a fait aux États-Unis, mais qui dépassait les États-Unis, qui allait juste en Europe et même dans l'Amérique latine. Et en parlant de l'Amérique latine, Gentil Augustin Junior a mené nous dans le pays Mexique. Plusieurs dizaines d'étudiants pour Palestine dans l'Université nationale autonome Mexique, une âme pigouée dans le pays, a démonté quand dans la ville Mexico, a hier jeudi 9 mai 2024, là, pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans Gaza et puis solidariser avec la manifestation étudiant dans le pays Europe et États-Unis. Creemos que la brutalidad israelí. Nous croyons que la brutalité de l'armée israélienne n'a jamais suspendu jusqu'à ce que la force mondiale soit unie. Ce n'est pas seulement dans la région Amérique latine, mais c'est tout partout dans le monde. Manifestants yo te monté tente ak drapeau palestinien devant quartier général université ya nan ville Mexico. Côté yo t'ap chanté vive yon Palestine libre ak sorti nan rivière rive nan la mer ya. Palestine pral genyen et en particulier yo te mandé gouvernement mexicain yan coupé toute relation diplomatique et commerciale ak Israël. Empezó hace más de 7 meses este genocidio. Génocide ça te commencé depuis plus passé 7 mois et moi pense c'est que nous te prend trop temps pour nous te agir mais finalement nous fait li moi gen en pile énergie pour cause ça mais tout en pile inquiétude tristesse et si tout colère aux États-Unis quelques professeurs dans UCLA a demandé pour administration université ya fini ak plan li genyen pour pini étudiant yo te arrêté dernièrement nan yon camp nan campus la pendant yo t'a protesté contre la guerre k'ap continue nan Gaza. Administration université ya te fait li mal chaque fois et li te mette la vie étudiant nou yo en danger. En tant que yon département qui existait si tout à cause zak désobéissance civile et spécialement nous convaincu que université a dwe protéger droit étudiant nou yo pour liberté la parole ak manifestation pacifique. Nan campus MIT ak université Pennsylvania, la police te démonté campement manifestant pro palestinien yo bien bonnet jodi et fait plusieurs arrestations. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une mobilisation qui existe au niveau international, en Allemagne, dans l'État espagnol, aux États-Unis, au niveau étudiant, et c'est normal que la jeunesse soit révoltée face au massacre, c'est quand même un enfant blessé et tué toutes les 10 minutes à Gaza. Aujourd'hui, c'est les chiffres de l'UNICEF. Donc on demande et on exige, au lieu d'avoir la police dans les universités, au lieu d'avoir des agents de sécurité dans les universités, on doit laisser et permettre que les étudiants puissent s'exprimer. C'est normalement un lieu dans lequel ça devrait être normal de le faire. En pile campus université américain, t'es souqué pendant plusieurs semaines avec manifestation contre attaque l'armée Israël à mener dans Gaza. L'armée israélienne a commencé offensive ça dans Gaza après attaque Hamas dans date 7 octobre 2023 sous Israël côté environ 1200 personnes ont perdu la vie. Aux États-Unis, administration université yo tire les policiers qui fait respecter la loi yo pour yo démonter campement yo ak déloger manifestants yo manou militari qui donc ak en pile force. Président Joe Biden te dit semaine passée ya que l'autre doit dominer sous campus yo pendant li affirmé que yo pa ka mette babouquette nan bouche personne. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, Gentil. C'était avec reportage ça que n'a fait un chapitre sur région Moyen-Orient avec Israël Hamas là. Et nous prenons dans New York avec procès historique ancien président Donald Trump qui en bas accusation d'est-ce que l'été acheté et silence vedette porno Stormy Daniels en 2016. Oui, procès ça a continué aujourd'hui et surtout avec déposition Michael Cohen, avocat, ancien avocat Donald Trump. Nous sommes sous place, Valérie Saint-Louis.
Vedette film porno Stormy Daniels s'est fait face à gros questions difficiles dans mes avocats Donald Champio jeudi 9 mai pendant que l'équipe légale Donald Champio a essayé craser crédibilité une femme qui gagne une histoire relation sexuelle qui était passée dans l'année 2006 et qui jeudi en 2024 finalement histoire ça a débouché sous premier jugement criminel contre un ancien président américain. Histoire relation sexuelle Stormy Daniels avec Donald Trump fait même jury saisi les autant décausé avec détail femme ak nom monsieur Damio sous cabane. Ça qui t'a permis électeur découvrir plusieurs aspects sous tempérament candidat ça qui était vinn président en 2017 et 2021 pendant que le retournait fait campagne pour rechita sous chaise bourrée dans maison blanche anessa vedette film pour noir Stormy Daniels qui était recevoir l'argent pour faire main bouche sous une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006 t'ai complété témoignage hier pendant plus que 4 temps côté que le t'a défendre tête li en bas gros question ak pression avocat défense qui t'a essayé suggérer que c'est menti mamzelle t'a bail il était sous foulaille. Il a inventé toute histoire. L'avocat Champion a demandé une motion puis a annulé le jugement. Et le juge Juan Merchant a décidé contre la motion de défense. Il a dit que Trump a violé l'ordre pour ne pas parler ni faire commentaire sous jugement 10 fois déjà. Il a menacé pour le bal prison pour offenser ça si à l'avenir il a continué à faire ça. Donald Trump fait face à 34 accusations sur le dossier business côté que tu as fait magouille pour cacher remboursement l'agence à que le bail ancien avocat Michael Cohen pour payer $130,000 by Stormy Daniels lui-même pour le faire main bouche pour pas raconter relation sexuelle qui a été gagnée. Trump t'a démenti accusation ça et il t'a démenti tout soi-disant relation avec vedette film porno. Il t'a démenti dit que le pas jamais fait sexe avec mamzelle. Toujours en bas question avocat Champio, Stormy Daniels admet que le pas toujours dit la vérité sous rencontre avec Donald Trump. Il te reconnaît que Donald Trump t'a mené dans le jugement pour plus passer $500,000 dans un procès diffamation qui t'a échoué. Il t'a refusé payer Trump l'argent ça. Comme ça tout, mamzelle pas de bail une explication claire sous raison qui fait que il t'a pris l'argent dans Donald Trump pour approcher silencieux pour pas parler et puis après ça il t'a décidé aller public contre Donald Trump. Il t'a admet tout que il raï Donald Trump et il t'a voulu ouais monsieur dans prison si on t'a joint ni coupable. Un avocat de Donald Trump, Suzanne Nichols, s'est fait jury à comprendre que Stormy Daniels s'est essayé de profiter de rencontrer avec Trump pour lui écrire histoire dans le livre. Stormy Daniels s'est reconnaît tout que lui t'a dit quelques médias que tu fait sexe avec Donald Trump et puis il t'a dit plusieurs autres médias que pas de jambe t'a fait sexe ensemble avec lui. Procureur a essayé de démontrer que Donald Trump t'a essayé de cacher toute trace document papier magouille à corruption avant l'élection 2016 là, une façon pour empêcher électeur vinn connait histoire créée que t'a gagné avec vedette film pour noir, ça qui t'a influencé vote yo. Jodi an tribunal lan ki derrière dom nan la, prosecuteur relé pour témoigner Rebecca Monish, ancien assistant chef financier organisation Trump lan, Allen Weisenberg. Yo te relé tout à la barre Tracy Menzies, yo exécutif publication organisation Trump lan, avec tout Madeleine Westerhout qui lui-même c'est assistant exécutif de la Trump dans Maison Blanche, elle était président. Nous sous 15e jour jugement criminel ça que la justice dans Manhattan, New York a mené contre ancien président Donald Trump. Un jugement qui historique. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis Manhattan, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Et l'autre témoin qui est très important, c'est Michael Cohen, qui c'est en anglais, il est le fixeur, qui c'est ancien avocat. Et M. Trump, ou sous VOA Creole, ou a suivi le programme dans l'Ancreole haïtien, actualité dans le pays d'Haïti, dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. On a retourné encore dans les Nations Unies qui fait nous joindre une note et côté que il dit que secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres lui-même dans une rencontre dans Nairobi parler avec président Kenya Dr Ruto. Monsieur Guterres présenté condoléances li pour moun ki mouri dans Kenya à tout dégâts inondation causé. Li remercie monsieur Ruto tout pour travail pays Kenya fait la paré pour l'accueillir conférence société civile Nations Unies 2024 là numéro 1 organisation mondiale là en parlant de monsieur Guterres et ben il souligne importance conférence là dans moment il a avancé dans direction sommet qui gain pour dérouler dans New York en 2024 monsieur Guterres était tout profiter saluer leadership Kenya dans tête mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti une force que vraiment pays d'Haïti besoin, d'après M. Guterres. Deux dirigeants ont discuté tout sous situation la paix et sécurité dans la région Corne Afrique avec Grand Lac. Secrétaire général des Nations Unies mettait une autre fois encore accent sur l'importance Nairobi comme siège Nations Unies et lui exprimer reconnaissance li by président Ruto pour soutien Nations Unies recevoir dans le gouvernement Kenya.
Monsieur Ruto gen pou entrer aux États-Unis 23 mai kap vin la et nan même date sa tout ap gen un contingent 200 policiers et pays Kenya kap gen pour débarquer dans pays d'Haïti et gen pile arrangement kap fait notamment nou e plusieurs avions l'armée américaine qui vin porter matériel pour police nationale avec l'armée d'Haïti et pour paré avec arrivée fossa. Et puis pendant ce temps dans même l'idée gain habitant et dans différents quartiers populaires qui dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, et ben manifestant ça yo levé la voix contre force multinationale là, zone ça c'est en cours Bel Air, Delma 2 et quoi d'émission. Nous gain sous place dans Port-au-Prince correspondant nous Massado Vilmé qui te vive pour nous moment protestation ça. Habitants dans la troisième circonscription de Port-au-Prince, avec un beau bâtiment dans la commune Kafou, qui a un bon côté, plusieurs groupes civils armés manifestés, une façon pour dire non avec force étrangère qui a gagné pour entrer en deux pays, capitale qui fait mois de mai qui a venu là. Nous passons plusieurs occupations déjà sous. Manifestation aussi là qui était démarré sous place Fontamara parcourir plusieurs zones dans la troisième circonscription parmi eux il passé Grand Ravine il passé en dans village de Dieu tout par contre tout côté manifestation ça était passé nous était capable moun yo qui a fonctionné normalement en dans zone là nous trouvons nous en dans Grand Ravine nous connaît Grand Ravine qui gagne la dernière ont c'était des petits appli qui a dirigé zone ci là. Donc nous dans toute zone nous t'est passé toute zone qui manifestation lui même lui t'est passé sorti de Fontamara passé Grand Ravine et bien nous moun yo même habitants dans zone là yo il a fonctionné normalement nous capable voir commerce là qui a fonctionné normalement nous capable voir circulation taxi moto qui a fonctionné normalement depuis Port-au-Prince moi c'est Massado Vilmé pour VOA Creole. Merci Massado Vilmé, tant que correspondant nous dit nous, c'est des zones que il est des zones territoires perdus, son mot qui vient célèbre dans le pays d'Haïti. Et côté ça yo gagné chef gang, mais dans moment que tu gagné protestation manifestation, ben toute bagaille t'a circulé, t'a fait normalement d'après ça correspondant nous et d'après image que nous saute joignant c'était une manifestation contre force multinationale pour sécurité qui gagne pour entrer dans le pays d'Haïti. Très bientôt. Pendant ce temps, dans le chapitre politique, là, il y a un conseil présidentiel transition qui peut vraiment démarrer, notamment parce que pas gagner, pour qu'on gagne un document légal qui sorti dans le journal officiel Le Moniteur. Et en attendant, gagner Edgar Leblanc fils qui aime jouer le rôle président, gagner en question de présidence rotative qui a fait, donc jusqu'à présent, toujours gagner un point d'interrogation sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Bien que et conseil des ministres du gouvernement intérimaire là et ben lui-même tout avec conseil présidentiel de transition yo met ensemble et yo déjà prend plusieurs décisions et puis n'a pas que parti politique Voix Espérance d'Haïti qui dans sud pays a et ben lancé un appel by conseil présidentiel de transition pour yo respecter engagement que yo te prend. Nous gen sous place dans ville Okaï dans département sud pays a Jean Ernst Eliska. Parti politique Voix Espérance d'Haïti qui dans sud pays a
lancé appel by Conseil présidentiel transition pour mettre l'on en divin yo yon façon pour commencer résoudre quelques problèmes population a fait face tant qu'ou insécurité grand goût la vie chère pour ne citer ça seulement. Plus de détails avec le président Voix Espérance d'Haïti, Fritz Nel Chéri. Haïti pas pour sept partis politiques, Haïti c'est pour tout Haïtien qui est lié. Même lorsque c'est eux-mêmes, yo ouais je dis, qui jouent une bénédiction pour que yo capable nommer yo et puis yo prêter serment pour mener bac pays, faut yo pas faire division comme quoi c'est la coula kayo y a dirigé. Nous-mêmes dans la vie nous venons pour nous lancer un signal clair. Pour nous dire chaque membre conseil yo c'est une mission que yo gagné pour yo délivrer mission en li gagné là-dedans. Premièrement yo gagné pour yo rétablir sécurité dans pays ya comme ça doit mettez campé un conseil électoral provisoire ouais misé peuple a cap souffrir depuis bien longtemps grand goût fin tuer population hein. C'est passer maintenant constitution hein, et puis organiser élection pour peuple a choisi moun qu'elle décide pour venir diriger dans pays ça. Parti politique l'avait souhaité membre conseil présidentiel transition respecter tout engagement y était prend précision à coordonnatrice Patia Mentor Muriel. L'avait à suivre avec un pile attention. Pendant la tonne application accord 3 avril là qui toujours dans passage. L'avait souhaité membre conseil transition pour respecter tout engagement yo prend devant nation. Tant coup mettre campé un gouvernement en tête nationale avec tout secteur dans pays qui doit gagner un représentant qui sorti dans chaque département yo. Résoudre problème et sécurité qui kembe papa ici en otage depuis un bon bout de temps, qui mettait diaspora nou yo nan kapè loin pays ya. Résoudre problème la vie chère pour peuple haïtien rale yon souf nan grand gou ki pa suspann touye peuple la. Responsable Bati Voix Espérance d'Haïti yo fait déclaration sa yo nan yon conférence pour journalistes. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okay. Merci Eliska, saison l'appli cap démarré officiellement 1er juin et cap vini là inquiété association ak regroupement famille na agriculture et structure ça a mandé l'état pour travail sous plan aménagement territoire dans l'idée pour limiter dégâts. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Suite à gros l'appli cap tombé sous divers départements dans pays d'Haïti dans dernier jour ça yo, docteur Inès Joseph, responsable association ak regroupement femme dans l'agriculture, préoccupé par arrivée saison cyclonique là 1er juin cap venir là. L'objectif pour faire face à cette situation, agriculteur a mandé autorités concernées penser à un plan aménagement territoire et citoyens pour eux-mêmes faire preuve de intelligence pour éviter à chaque fois une solution pompier. Nous capable compter déjà 12 monde qui allait, mes amis, c'est pas pour nous toujours à chercher solution pompier. Ça qui passe pour nous porter secours. C'est pour nous ta capable, c'est pour autorité ou ta penser à un plan d'aménagement. Moi fait poids dans période là. Mais qu'on y a laissé pas leur poids pas mettre loi pédule parce qu'on connaît ennemi agriculture c'est soleil avec bête. Ou faut capable faire ça. C'est ça que fait me dit de l'intelligence, pas trop d'investissement, beaucoup d'argent, mais fait li mais chercher moun qui connaît pour accompagner ou pour permettre ou faire ça doit faire. Pour pas perdu, l'on perdu, c'est pays a perdu. Les pays a perdu, c'est petit ou c'est famille qui pas bénéficier de sorte de faire. Mauvais temps pays a connaît dernier temps ça yo affecté particulièrement Grand Nord côté inondation détruit jardin en pile citoyen qui gagne ferme agricole dans Arebo canal Wana maintenant. Agriculteur yo besoin de l'eau c'est vrai pour faire plantation yo grandi. Cependant risque inondation yo pas de négliger. Responsable agrofam chaque spa quoi li nécessaire pour pas abandonner l'agriculture qui selon lui-même c'est celle porte sortie pays d'Haïti. Question agricole là le font camper tout. Là la pluie a bay gros frappe ça yo et que nous ta nous récolte sans c'est perdu avec gros bagaille ça alors que nous besoin la pluie. Mm-hmm. Nous besoin la pluie pour nous faire agriculture mais nous pas besoin trop de l'eau. Mm-hmm. Donc qui moun qui occupé de ça qui est-ce qui doit veiller pour nous pas gagner trop de l'eau pour nous capable au moins construire un pluvium pour l'en gagner de l'eau pour nous ta camper pour nous utiliser yo.
Alors, pas de manger tellement pour bête, yo konya. La pluie a passé tout en bas la boue, fourrou yo. Nous connaissons depuis ça, yo allé, ba yo, ça yo en bas de l'eau, bête yo pas de manger, moun yo découragé. Il faut que moun yo pas découragé parce que nous connaissons que c'est agriculture qui pour lever nous dans l'état nous hier. Saison cyclonique là a commencé officiellement 1er juin cap vini là pour bout 30 novembre. Prévision yo dans Université Colorado aux États-Unis fait qu'on aime qu'elle gagne une saison très active pour 2024 là avec 23 tempêtes, 11 ouragans parmi les 5 majeurs. Face à prévision ça yo, Haïti doit prendre mesures préventives pour protéger population et minimiser dommages potentiels yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et bien, je vous dis, c'est vendredi, nous avons rendez-vous avec nouvelles sous HMI là, avec Jude Deroncerie. Mike Andy Kajuste, alias Andy Beats, artiste solo, t'es rencontré avec la presse après une récente performance dans North Miami Stadium. Nous demandons des artistes là, comment les sentis publics là, t'es accueillis. Bon, moi, je pense que, après, à chaque performance, moi-même, ça que moi-même faire, moi-même, font analyse, moi-même, font rétrospection pour moi, ok. Mais qui ça qui marche, qui ça moun yo remè, qui ça pour m'bay moun yo comme nouveau bagay, moi toujours essayer varier tout ça m'a fait m'pa kembe 17 pour une année, même que mon 7 pour moi, so tellement moi besoin adapter chaque côté m'aller tout, moi fait moi garder deux trois statistiques dans database que moi gagne en façon pour m'ka bay moun yo en expérience personnalisée et ça vinn bay résultat côté que chaque show après on l'autre, moi vinn gagne plus et comme si retour par rapport avec show ça et moi vraiment content pour ça. Parce que encore une fois, ça montre que le travail a payé. Puis devant, dans la conversation avec le journaliste, artiste Andy Beats annonçait que leur travail sur un CD. Artiste n'a pas en mesure pour te dire qui est CD absorti. Mais sauf so nous sommes censés presque pareil. En majorité, c'est moi-même, mais il y a une musique que c'est défunt Mika Ben, Rest in Peace, qui produit pour moi. Ouais, sauf qu'il y a une collaboration sur l'album, mais moi, Kimbel, en ce genre. On s'est jamais équilibré en façon pour ne pas paraître un projet qui est trop featuring ou bien qui est trop musique ou quoi. Moi, fait égal, c'est-à-dire les chiffres la sortie, tout le monde a apprécié moi, c'est l'album dans featuring, moi, c'est l'album dans pourquoi. Mais nous avons un bel nombre pour que tout le monde a besoin de ça, a besoin. Plat complet net. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Marie Carmel, Jasmine avec Déjà, qui c'est trois mesdames qui habituées fait chorégraphie avec plusieurs artistes avec Diaz dans HM Island, déclaré que vous soulis pour décourager. Mélomanio, pas respecté. La raison que moi voulais faire interview ça, c'est pour me dire que nous pas vraiment de respect que nous social mais haïtien parce que nous c'est danseurs, nous c'est chorégraphes. Là où artiste a dansé comme ça, c'est nous-mêmes qui behind the scene a fait tout travail. Nous travaillons en pile des années dans HMLN, nous pas vraiment. Quel autre chorégraphe tout, m'a parler pour celle tête moi-même, m'a parler pour l'autre tout chorégraphe qui a fait gros travail dans HMLN qui yo pas respect que vous avez besoin, il n'y a pas ignoré ça, il n'y a pas de faire, il n'y a pas nous cœur pour nous continuer ça à faire. Mais nous-mêmes qui avons fait ça à faire parce que nous remèlons. Si nous ne pas remèlons, nous allons faire. Et pas pour tout comme le bon, c'est parce que nous remèlons. Nous faisons notre bagage. Nous c'est éducation, nous avons des degrés, master degrés, nous étudions, nous avons business, nous avons travail professionnel. Mais danser, c'est un bagage qui fait que nous content, nous remèlons ça à faire. C'est peut-être ça nous continue parce que c'est un bagage que nous remèlons. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, groupe musical New Bass pas existé encore dans HM Island. Jazz l'a crasé, d'après ça nous apprendre en babouche maestro chanteur fondateur Edier Loro alias Edier New Bass. Artiste l'a confié nous qu'il y a un projet pour le réparer dans HM Island en solo. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Onseré pour VOA Creole, Miami. Merci Jules et c'est là tout que nous mettons fin dans le programme. Nous voulons saluer de façon spéciale Madame Saint-Louis qui a demandé pour Sandra Lemaire. Sandra Lemaire en vacances bien méritées d'ailleurs. Et puis Kader Mariela et puis Daniel Désir. Et puis nous remercions toute l'équipe là. Chang Wang, bon ami pas moins. Et puis Joe Gill et sans oublier Gentil Augustin Junior avec Jean-Marc Hervé Abela. Moi c'est Jacques Belizère. Nous souhaitons nous tous passer un bon week-end. Si nous avons conduit, pas boué, si nous avons boué. Pas conduit, ça c'est ça Jean-Aubert Voyer pour nous comme conseil. Donc passez un bon week-end et puis n'a pas cassé rendez-vous pour lundi prochain.